Bonjour, bienvenue sur Vlogmas, le jour 17. Nous sommes samedi le 10. Désolée, je vais peut-être te bugger un peu ou que ce soit. Je me suis couchée très, très tard. Ça paraît matin, fait que ça prend le café, comme je vous ai montré. Bienvenue sur ce Vlogmas, jour 17, et j'ai même un petit début de mal de tête. Ça, gardons, on va prendre ça relax, mais non, je peux pas. je suis Christiane, en arrière de Création CG. Ceci, c'est un vlog pour le mois de décembre jusqu'au 24. Mais je vous dirais que les derniers jours, c'est encore un autre petit combat, mais je verrai comment je vais planifier tout ça. Je vous ai intégré au début ma soirée d'hier, où est-ce que j'étais. Et là, aujourd'hui, ce matin, j'ai un branle-bas de petites choses à avancer rapidement, mais je n'aurai pas le temps de tout faire. J'étais en train de tricoter ce matin avec mon café. Puis là, je suis venue pour faire un petit coucou. J'ai travaillé hier. Ouais, j'ai fait une grosse erreur. Ouais. Fait que j'ai fallu que je défais tout dans ce cas-là. J'ai pas défait tout. J'ai défait jusqu'à ce que vous avez vu. Parce que j'avais le jour 9 et là, j'ai l'indice aujourd'hui, le jour 10. Ben, j'avais commencé le lundi 9. J'ai été fait. Ça marchait pas. Ça marchait pas. Mais j'avais commencé avant hier soir. J'avais commencé hier après-midi, vendredi après-midi. J'avais commencé. Puis là, hier soir, quand je suis revenue de ma sortie, j'ai essayé de refaire. Il y avait 8 rangs, je crois. Je n'avais fait 6, même pas 6 au complet. Puis ça ne fonctionnait pas. Fait, j'ai dit, on défait. Fait que je suis revenue à la fin de au début de la journée 9, de l'indice 9 qui était hier. Fait que je vais avoir 2 jours d'indice à faire dessus. Ça me semble être la même répétition que ça ici. Aujourd'hui et hier, là. Je ne sais pas. Aujourd'hui, non, je n'ai pas vraiment regardé. Hier, on va commencer. Je me suis dit, concentre-toi sur la journée 9. Fait que c'est ça. Fait que, je suis en retard, je vous le dis, mais regarde, je l'ai dit, pas de compétition, pas de vitesse, on fait des erreurs, c'est pas grave, on a du plaisir, c'est qu'est-ce qui est important, parce que c'est quand même, là, on est rendu dans des gros projets. Fait que c'est ça, j'étais en train de faire du ménage aussi, à un moment donné, il faut de prendre le temps de respirer un peu, parce que c'est comme un brainwashing, là. Ce que je vous montre là, dans les dernières journées, c'est très, très, très intense, parce que je vais vous montrer là, ce que je vous ai montré hier, en petite vitesse, parce que j'étais comme pressée pour faire le montage. Fait que c'est cette partie-là que vous avez vue. C'est un indice de 2 jours. Puis, il n'était pas indiqué sur la feuille rien. Fait que là, j'ai fini par aller voir sur Ravelry. C'était un indice pour 2 jours. Parce que j'avais rien reçu hier matin, le vendredi, le 9. J'avais rien reçu. Fait que j'étais voir. Faut que tu sois inscrit au groupe Ravelry, le groupe de quenouilles mousseline pour ce cas-là. J'étais voir et là, elle a dit, bon, je vous donne cet indice-là pour 2 jours. Bon, OK, parfait. Fait que j'ai réussi à le terminer. Mais c'est très concentré. Fait que je ne dis rien du lundi aujourd'hui. Je l'ai regardé et je l'ai mis sur une planche bouge pas la caméra, Christiane. C'est pas bon. Sur une planche comme ça, avec un aimant. Et je déplace l'aimant parce que travailler sur un... on bouge pas la caméra! La patte est mal placée. Fait qu'on va arrêter de bouger. Fait que sur un iPad ou que ce soit, tu regardes. Puis là, j'avais suivi au début sur une feuille, puis je cochais, mais là, je regarde, ça marche plus. C'est préférable avec la règle de suivre et d'être capable
parce que je suis juste aigrie, moi. Regarde, tu m'aperçois, c'est ce que j'ai avec ça que je fonctionne bien. Puis sur iPad, à un moment donné, ça gruge la batterie, puis t'es toujours en train de dire, bon, il n'y a pas assez de temps, puis tu passes pour l'ouvrir. Fait que j'ai dit, parce qu'à un moment donné, il tombe un peu en éveil, là. Fait que j'ai dit, bon, non, va à la vieille méthode, c'est toujours bon. Fait que c'est ça, j'étais en train de faire du ménage dans mes laines aussi, comme je vous disais, pour. Je fais du coq à l'âme, mais désolée. Pour. Comment je décide de reposer un peu, parce que c'est quand même du bon tricot intense que j'ai dans ces jours ici. Fait que j'ai sorti des laines, j'étais en train de faire du ménage encore, j'en ai fait, oui, il y a un mois de septembre. Fait que là, j'ai recontinué, puis j'ai des paniers, là, comme je pense que je l'ai déjà montré. Des paniers IKEA noirs, là, c'est des en tissu, là, que tu, ça fait des genres de tiroirs. Il y a des restants dedans. Oui, il y a des écheveaux que je les ai même pas rebobinés en. Il y a des quêtes que j'ai même pas rebobinées tout de suite en écheveaux quand je ne les ai pas utilisés, parce que c'est quand même des bons écheveaux. Là. Fait que là, j'ai sorti, j'ai regardé. Je les avais. Il y a un mois d'octobre, je crois, ouais, je les avais mis en. J'avais continué un peu à faire le ménage et j'avais continué. Bon, je les ai mis en écheveau ceux qui étaient en cake dans ce panier-là. Bon, c'est ça. Bref, ce que je veux dire, il y en avait encore. Je dis, ah, c'est bien, ils sont plus que 100 grammes. Bon, parfait. Je pense que c'est le temps de les sortir de là et les mettre en écheveau. Bon, je patine. Désolée. Fait que c'est ce que j'avais fait. Et là, je les ai mis de côté parce que je les mets pas dans mon inventaire qui est à vendre. Je les ai mis de côté, c'est des premières teintures. Là, je vous remonte un petit peu. Là, c'est pas de la nostalgie à rien, mais c'est quoi? C'est parce que ça veut dire que j'ai un inventaire de fou malade. C'est ça que je veux dire. Fait que c'est trois couleurs que j'avais, les premières couleurs. Vous voyez comme quelle couleur que j'aime. Hein? C'est trois écheveaux. Mais par contre, je l'ai peut-être lavé. Je m'en souviens pas. Ça, c'est ouais, c'est les premières teintures que je m'amusais à tester les couleurs. Celle-là, elle me semble être différente des deux autres. Elle a l'air un petit peu peut-être laineux, dans le sens qu'il y a du cachemire, je crois, dedans. Parce que j'avais pris deux bases. Celle-là. J'en ai fait beaucoup dans ce type-là au début, là, pour faire des tests de couleurs et tout. Mais c'est une des raisons pourquoi vous n'en voyez pas beaucoup. Parce qu'en ce moment, parce que j'en avais fait énormément dans ces années-là. Mais c'est quand même un combo très intéressant. Je sais pas, on dirait que je reviens dans ces couleurs-là, mais ça flash. Moi, je trouve que ça flash aussi. En tout cas, c'est ça. Fait que là, j'ai dit, ah, regarde bon ça, j'avais le goût d'un petit peu de rose. Puis c'est terne dehors, c'est gris, pas gris, mais il n'y a plus de feuilles dans les arbres, rien, la végétation est morte. Il y a juste le gazon qui est encore vert, tu sais. Fait que manque de couleurs. Oui, j'aime Noël, mais comme vous voyez plus de. Vous voyez pas vraiment de décoration. C'est parce que j'ai déménagé beaucoup, puis je suis toute seule. Oui, un jour, je sais bien. Là, je n'en ai pas parlé dès le début, là. Peut-être un jour, quand si j'ai des petits-enfants ou quoi, je vais me rééquiper un petit peu. Mais j'ai pas de place à mettre un sapin, déménagement. J'avais laissé tout aux enfants. J'ai juste gardé une belle boîte parce qu'il y avait des belles boules de Noël dedans. C'est ce que j'ai juste regardé. Et quand tu déménages beaucoup, ben. En tout cas. Je trouve que. Puis en plus, je n'étais pas souvent chez moi aussi. Il y a eu des années, mon condo à Magog. Je n'étais pas souvent beaucoup là pendant les fêtes. J'étais là juste quasiment un aller-retour. Parce qu'assez souvent, je le passais à sa rive nord, ou bon, j'étais comme, tu sais, un entre-deux. Fait que pourquoi me m'équiper? Fait que j'ai continué comme ça, parce que je manque de place. J'ai pas de place, puis un vrai sapin. Mais boy! c'est pas grand comme appartement et tout. Puis je me dis, bon, pourquoi t'encombrer avec de plein d'affaires que tu utilises à peine? Tu sais, tu utilises trois semaines, en un mois, mais là. Où tu vas mettre ça? Fait que c'est pour ça. Fait que vous n'envoyez pas beaucoup d'affaires de Noël. La seule chose que vous allez voir, c'est des petites touches comme ça. Une tasse. Je me suis équipée pour des calendriers d'avant. Puis j'avais un autre petit panneau que je vais vous montrer. Puis que franchement, c'est piètre de qualité.
Ça n'a pas d'allure. J'ai perdu le S. C'est piètre qualité, c'est pas du MDF à rien. En tout cas, l'arbre est brisé. Tu payes ça un peu. Oui, c'est le fun. Ça fait une petite lumière, mais en tout cas, ça ne t'offre pas une éternité, là. T'sais, il aurait pu mettre un petit peu plus. Il y a déjà eu de la meilleure qualité pour ça, là. Je sais pas, en tout cas. C'est sûr que c'est très, très, très petit, là, dans le sens que c'est très slim, là. Puis c'est facile à casser. En tout cas, mais ça, je trouve que c'est un achat que. Je ne trouve que c'est pas pratique parce qu'il t'offre pas longtemps à cause que ça brise facilement ce petit bois-là. Puis des chandelles, des choses comme ça. J'avais pensé à m'acheter un poinsettia, mais le poinsettia m'en est. Surtout que c'est la chaleur ici. Moi, mon poêle en ce moment, le poêle le gaz naturel, il chauffe. Puis je trouve que les poinsettias, quand c'est chaud dans les appartements, tout, ils t'offrent pas longtemps. Encore là. Pas de place. Regarde, c'est ça. Il y a juste je pense que je ne l'ai pas montré, mais je me suis fait un arrangement de fleurs, pas floral, mais un arrangement de bouche. Je vais peut-être vous le montrer dans les instants que je vais me promener sur ce vlog-là. J'ai acheté un genre de panier, pas panier, mais métal. C'est une corbeille en métal chez Kia. Ça fait très, très longtemps et je m'en ai servi de toutes sortes de façons, des fruits, autres. Je la mettais à la boutique quand j'avais la boutique Magog. J'avais un centre de table et c'était un centre de table que, bon, les choses, quand je donnais des explications de points et tout, ben, c'était facile d'aller les chercher. Il était au centre de la table. Il a servi à toutes sortes de choses. Mais là, il ne se servait pas vraiment. J'ai décidé d'acheter chez HomeSense. Hein? Je fais la publicité. Non, je spoiling pas. Je suis pas sponsorisée pour. Non, regarde, je le dis encore. Fait que j'ai acheté un bon sac chez HomeSense. Puis il y a toutes sortes de boules Je vais vous le montrer. Avec des belles petites fleurs rouges que j'adore puis tout. Fait que j'ai mis ça dans ce panier-là. Dans ce plateau-là. Fait que c'est ça pour l'ouverture de ma journée. Samedi 10, journée de vlog 17. Ouais, plein de un matin, je vais aller me reposer puis aller tricoter un petit peu puis continuer à aller vous regarder un petit peu de vlogmas avant de faire passer à la suite de ma journée. Fait que à plus tard. Les fameux paniers que je vous parlais ce matin des trois échevaux que. Il était dedans. Là, je suis en train de faire le ménage. Ceci, c'est mon. Remonter un petit peu. Ça, c'est mon panier pour les bas. Que vous voyez bien. Ce panier-là, il est juste de laine de bas commerciale. Je spécifie bien. En haut, complètement le dernier d'en haut, c'est le. Lace, c'est toutes des laines lace. Je commence à faire des acrobaties. Je vais faire attention. Ok, je vais reculer. Ça va aller mieux. Désolée pour au péril, je l'ai coupé au montage. Bon, ici en haut, c'est le lace. Comme je vous disais, je descends ma laine à bas. Et ici, dans les deux. On ne voit pas très bien, c'est très ensoleillé aujourd'hui. Ça, c'est les laines que j'étais en train de faire le ménage, qu'il y avait le calendrier d'avant. Il en reste encore. Et en bas, ça, c'est un bac de tout laine. La Worsted Deca, c'est des laines 100% laine, des laines extra pour faire des échantillons quand je décide de faire des projets, mais que je ne vais pas prendre dans ma laine teinte. Ben, je viens prendre ici en bas. Je viens vous montrer qu'est-ce qui me reste. Je vais peut-être condenser parce que j'aime bien ces bacs-là. Mais par contre, tu vois, regarde, j'ai fait de la place. C'est toute ma laine biscotte. Ceux qui m'ont suivi cet été, la laine biscotte, elle est cachée ici. J'ai décidé de mettre ça dedans. J'y pensais même plus. Ça fait un certain temps que. J'ai fait le ménage, puis là, ben, je m'aperçois, oups, je l'ai mis là. Ouais, en vie, ça, on oublie des affaires, mais c'est pas grave, je me retrouve. Fait qu'est-ce qui reste des laines? Il m'en reste pas beaucoup, mais on en voit encore, là, vraiment. Là. Ça, c'est beaucoup de cachemire dedans, je pense.
Mérino cachemire nylon et une autre marque de laine qu'on voit. Je tricote, tu tricotes, j'ai mis ça dedans. C'est une laine des restants qui me reste. Je sais pas ce que je vais faire. En tout cas, regarde, c'est des restants encore. Hein? Il m'en manque pas de la laine. Là. J'en ai en masse que ce que j'ai. Hop là, je ne vais pas bouger trop. Ça fait du bruit en plus. Je vais couper au montage au pyralé. Et le suivant, j'ai marché aussi les laines. Comment je redire ça? Par couleur. Ah, tu vois, bon. J'avais des échantillons de laine. Oui, la Nick Pick de très longtemps, il y a 10 ans. Ça traîne encore. J'ai placé aussi dans ces bacs-là, anciennement, mais là, pour l'instant, ça leur semble être un mélange de storage de toutes sortes de laines que j'ai pas de place ailleurs. Je les avais installés comme dans ce bac-là. C'est des couleurs terre et des équivalences qui pouvaient aller avec des couleurs terre que j'ai mis dedans. Aqua, j'ai un bleu, les fameux bleu-vert. Il y a des teintes de bleu-vert dans celle-ci. Je vais vous la montrer. On ne la voit pas très bien. Ok, en tout cas, c'est ça. Puis il y a des oranges et des jaunes. Je m'aperçois que non, je ne peux pas faire un peu plus le ménage qu'il y a là. Je l'avais déjà fait. J'ai fait ça septembre, octobre, je crois bien. Parce que. Septembre. Octobre, j'ai fait autre chose. C'est ça. Fait que c'est ça les paniers que je vous parlais un matin. Bon. C'est la fameuse décoration que je vous parlais, le sac. Ce matin, quand je vous parlais que j'avais un sac que j'ai acheté chez HomeSense, on retrouve tout dans le même sac et je m'en sers pour faire des photos. Des photos de mettre sur mon Instagram. Il y a plein de petites boules, tu joues avec. Ils sont fun, puis ça faisait un bon sac. Puis t'as quand même postpé en. Au coût, mais quand même, ça reste un autre coût pour faire juste des photos. Mais là, je m'en sers comme décoration. C'est des couleurs pour moi qui peuvent être représentatifs pour Noël, pour le mois de décembre. Ça me représente cette année un peu dans ce style-là. Nature, art et les fleurs. Pour moi, le rouge chez Noël. Fait que c'est un petit peu moi, ce que vous voyez à travers. Et puis, j'ai même laissé dedans, mais là, il a bougé. Là. De temps en temps, je viens bouger. En ce que je le placerai, mais de temps en temps, j'ai joué avec parce que je pigeais dedans pour aller faire des photos. Fait que c'est ça. Fait que même lui, je pense, je l'avais mis sur... je l'ai mis sur un écheveau, même, dans mes photos. Là, je regarde. Fait que c'est ça. Là, je vais retourner la caméra pour déballer. Je viens conclure cette journée-là, le samedi, le 10 décembre. Et en même temps, ben, vous avez vu un petit peu avant que j'avais ramassé l'emballage dans ma boîte de Noël, de calendrier d'Avent. La couleur aujourd'hui, c'est encore un bon écheveau encore, je vous dirais. J'aurais dû... je vais faire attention de ne pas faire trop de bruit. Dépendant si vous m'écoutez avec des écouteurs, vous ne m'aimerez pas. Ah! Et voilà. Fait que c'est ça. C'est un... Ah, c'est-tu drôle, hein? Oui, j'en m'en reste un, mais il n'était pas de la même teinte. Je vous ai montré ce qu'il y avait dans les paniers. celui-là, il est vraiment... Ce que j'ai dans le panier, il y a différentes teintes. J'en avais dans. Il m'en reste dans le panier, mais dans une autre couleur. Ben, une autre couleur de. Similaire dans la même cadran de la gamme de couleurs. Mais plus foncé vraiment. Puis celui-là, ben. C'est doux. C'est du cachemire dedans. Ouais, c'est avec mes cachemires. Cachemire et nylon. Oh, c'est doux. Doux, 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 doux. Ah oh, ouais, oui, ça, je me souviens de ces laines-là. Oui, ils ont des histoires, ces laines-là. Sûrement vous avez ça aussi dans votre inventaire. Ça, c'est mes premières laines, non, mes deuxièmes laines teintes.
Ouais, ça, c'est le troisième batch, parce que quand je suis rentrée dans la boutique Pignon sur rue à Magog, j'avais commencé à rentrer avec la grosse compagnie que je faisais affaire. Il y avait de la Malabrigo. Ensuite, j'ai rentré de la biscotte. Ensuite, après la biscotte. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Ça, c'était anciennement. C'est très longtemps. C'est une compagnie, je ne crois qu'il n'existe plus. Je pense qu'elle en a refait un peu, mais c'est couleur mouton. Vous n'avez peut-être eu dans le nord de la France, je crois, à un moment donné, couleur mouton. Fait que c'était ses laines. Je me souviens même plus c'est quoi le nom de celle-là, sa base. Je suis pas sûre si c'était la Gilou ou l'Arc-Argile. Je pense que c'est la Gilou, celle-là. Je suis pas sûre, en tout cas. Fait que c'est un restant de laine que j'avais. Fait que c'est ça. Très doux. Doux, 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 doux. Il y a du nylon dedans, à ma connaissance. Oui. Je sais pas. En tout cas, je vais peut-être aller voir dans les châles. Tout ça va me donner le nom exactement parce que j'avais fait un châle avec ça. Bon, j'ai terminé l'indice du 9 dans. Je vais vous le montrer. Dans le Cal Mystery de Cal Enjoy de Tricot Stitch. Là, je me suis aperçue les dernières journées, j'ai réussi à le faire. Par contre, le jour aujourd'hui, le 10, c'est la même chose. C'est la même affaire. Et là c'est à partir d'ici, là, c'est l'indice où est-ce qu'est le marqueur. Cette partie-là, c'est le premier rang. Là, j'y ai fait rang 1, rang 2. Le premier rang, je m'aperçois que c'est là que j'ai focaillé l'affaire, que ça. Quatre erreurs. Et je crois que c'est de là que j'ai eu mon propre problème qui est parti sur l'indice 9. Quand j'ai commencé à le tricoter, c'est là que j'ai eu mon problème et j'ai pas regardé comme il faut après. Mon cerveau, il clenchait, mais il clenchait pas comme il faut. Tu sais, il partait en vitesse, mais j'aurais dû vérifier comme il faut parce que ça fonctionnait pas. Et là, c'est arrivé la même erreur ce matin, ce midi, puis j'ai quatre fois. Il y avait quatre erreurs sur le rang. Fait que j'ai mis des marqueurs, moi. Mais oui, je viens d'acheter ça dernièrement. Je ne suis pas une fille à marqueurs. Je ne suis pas une fille à. Oh, excusez le bruit. Je suis pas une fille à marqueurs, mais j'ai bien fait de l'acheter. C'est une petite boîte qui a plein de marqueurs d'ampoule. Écoute, il me sert pour les cales en ce moment, là, pour mettre les journées. Je voulais savoir où étaient les journées pour les indices. C'est pratique. Il y a trois couleurs. C'est Boy. Boy. Oh, il est à l'envers. Boy. C'est des marqueurs à une quantité industrielle. C'est pas grave. Si j'en perds, c'est pas grave. Mais habituellement, j'utilise pas beaucoup. Mais là, cette fois-ci, je pense. Ça a bien fait que j'en ai acheté. Puis le paquet de projets que j'ai. Me voilà. Dimanche, le 11, et ça va être le 17e vlog masse de la journée. Je vais faire court un petit peu aujourd'hui parce que je m'aperçois que vous allez avoir un bon vlog masse des 2 jours. Hier, le 16, mon 16e vlog masse et aujourd'hui le 17e. J'ai fait une avancée sur mon Cal Enjoy et Cal Enjoy de Tricot Stitch. Je n'ai pas touché quenouille mousseline. Aujourd'hui, j'ai déballé mon échantillon du calendrier d'Avent de mois à mois. C'était cet écheveau-là que j'ai déballé. Ça se trouve être de la biscotte, anciennement la Félix. Ça, c'est les chevaux d'aujourd'hui. Je vais juste vous montrer un petit peu. Bon, le Cal and Joy. Cal and Joy. Bon, j'ai réussi à faire l'indice 10, c'est tout, rattraper cette partie-là. Et là, juste le matin, c'est encore le même indice que des autres journées avant, depuis le 7 décembre. Ça commence un petit peu à être redondant. Par contre, je vous dirais, si c'est encore ça, ces indices-là, dans les prochains jours, vous ne le verrez pas. Je vais juste dire, j'ai avancé, j'ai réussi à faire l'indice 11, 12, 13. Bon.
ce que je vais faire, parce que ça ne change rien pour vous, c'est là encore le même point. Fait que c'est ça pour local. Je vais l'avancer un petit peu plus tard, le terminer aujourd'hui. Essayer d'avancer aussi quenouille mousseline, parce que les indices, maintenant, je crois, et je suis contente aussi, les indices sont aux 2 jours. Fait que si c'est aux 2 jours, ben, j'aurai le temps au moins de le faire. Puis j'aurai le goût de tricoter mes bas et autre projet. Puis ça va être moins redondant pour vous aussi. Puis moi, je m'aperçois que ma cote d'écoute change un peu. C'est un peu normal. C'est je viens tous les jours, puis c'est comme un représentatif des cales, dans le sens un cale mystère, le calendrier d'avant, ça n'intéresse pas tout le monde. C'est pas grave, j'ai du plaisir quand même. L'année passée, s'il y en a qui ne m'ont pas suivi, ceux qui m'ont suivi, ben, je vais juste en reparler un petit peu. J'ai fait une écharpe l'année passée avec des boulettes. Je disais c'était des boulettes, mais c'était des boulettes de 20 grammes. De tout, des 20 grammes que j'ai fait une écharpe. De Humber. Bon, je vais marquer son nom en dessous. Fait que je ne dirai pas le nom. Je vous répéterai pas le nom, parce que j'ai un petit peu de la misère à dire son nom. Fait que c'était cette écharpe-là que j'avais fait l'année passée. Vous le voyez souvent sur mon dossier de ma chaise. Et voilà. Et j'ai répété. Dans le sens. C'est-tu inverse? Ouais. Ouais, non, j'ai. Ouais. Je suis repartie dans le sens inverse. Et à partir d'ici. Ici, j'ai reparti en inverse avec les mêmes couleurs que j'ai faites. Il m'en restait pratiquement peut-être 2 grammes. Je vais me reculer pour que vous voyez mieux. J'en ai utilisé 31 échevaux de 20 grammes. C'est 31? J'ai fait 31 répétitions. Il m'a manqué de la laine pour faire la 32e. J'ai dit, oh non, laisse tomber, parce que c'était un écheveau de 100 grammes, de 400 mètres que j'avais de laine 100% mérino. Fait que j'en m'en restait plus à la fin. J'ai abandonné le dernier pour que je puisse le finir. Et je l'ai utilisé beaucoup. Je vous dirai encore un peu, mais ici, dans mon condo, c'est plus chaud, fait que je l'utilise moins, mais ça m'arrive que je l'utilise. C'est un des champs que j'ai plus utilisé depuis l'hiver passé, depuis que je l'ai fait. C'est un des châles que j'ai fait que je porte le plus. Fait que je me dis, qu'est-ce que je fais avec mes boulettes, mes échevaux, j'en ai. Fait que je pense que je vais refaire la même chose. Je vais voir, je vais y penser parce que j'en ai quand même beaucoup. Ce que j'ai fait sorti depuis le début, je vais juste vous montrer. Fait que c'est ça, c'est pas mal. Celle-là, je regarde dans la tendance, là, un autre batch. Hein? En tout cas, je vais jouer avec. Puis ça, c'est les deux derniers que je ne sais même pas où je vais mettre. Ça, c'est 100% mérino. Et ça, c'est du nylon. Ça, c'est une autre sorte de laine. C'est de la laine vierge pour l'ana que je vous avais parlé. Fait que là, je suis en train de penser, c'est quoi les bundles? J'ai pas un bundle. J'ai un paquet de projets pour les calendriers d'avant que j'ai mis dans un bundle. J'ai sur mon compte Ravelry. Par contre, je ne vous en parlerai pas. En détail chaque. Ce que je vais faire, je vais le mettre en dessous de ce vidéo aujourd'hui. Et si ça vous intéresse, bon, ben vous avez eu un calendrier d'avant, mais vous n'avez pas de patron avec, puis vous voulez savoir quoi faire, mais ça vous donne un aperçu de mes idées à moi. Il y en a plein d'autres, là. Ça, je ne dis pas le contraire, mais c'est que ce que je préfère, moi, fait que vous avez des couvertures, des châles, des chandails et autres. Fait que ça peut vous donner une idée, bon, de suggestions. Fait que je vais vous laisser, parce que là, ça s'en vient quand même beaucoup, et j'aimerais bien terminer ce montage-là, que je puisse vous le mettre en ligne d'ici ce que je vous ai dit. Ça peut être long aussi. Fait que c'est ça. Si vous avez des questions par rapport au bundle, ou que vous voulez voir des modèles en plus explicites, ben, je pourrais en parler peut-être dans ce parti-là de vlog, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, je vais voir au mois de janvier ou quand je vais revenir en 2023, parce que c'est ces chevaux-là, de mon calendrier d'avant, je ne toucherai pas avant au début de 2023 que je puisse planifier qu'est-ce que je vais faire avec.
Fait que d'ici ce temps-là, en attendant, ben, je vous souhaite un bon visionnement. Merci si vous avez regardé jusqu'ici. C'est sûr qu'en fin de semaine, c'est encore un petit peu redondant, mais aussi, bon, j'ai eu tellement d'activités que, bon, c'était pas évident pour moi de venir faire une vidéo. J'aurais pu en faire avant, mais la température a pas été clémente quand que j'ai voulu en faire. Fait que c'est pas grave, je vais me reprendre cette semaine. Aujourd'hui, oui, je vais faire du contenu pour les prochains jours que je vais intégrer avec mon calendrier d'avant. Fait qu'en attendant, un gros merci si vous avez visionné ici. Et je vous souhaite, tout dépendant que vous me regardez, une bonne journée, soit une bonne soirée. Et on se revoit demain avec la routine comme d'habitude de mes vlogs masse. Bye bye!